Comment apprendre une poésie facilement, rapidement et en s'amusant, c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Mais juste avant, vous avez la possibilité de télécharger mon guide « Parents et enfants zen », ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir juste après. Alors, pour beaucoup d'adultes, moi le premier, les souvenirs de poésie, c'est une galère à apprendre parce que c'est plein de mots compliqués, parce que c'est trop long, parce que c'est pénible de faire cet effort. C'est une galère aussi à réciter devant la classe parce que on a peur de l'oublier et comme on a peur d'oublier un mot, eh bien on a encore plus peur. On récite mal, on est mal à l'aise, puis en fait on garde en mémoire de premières mauvaises expériences du parler en public. Donc je partage avec vous les 4 étapes que j'utilise avec mes enfants pour les aider à apprendre rapidement leur poésie et surtout pour que ce soit un plaisir. Donc étape numéro 1, vous demandez à vos enfants de lire chaque vers, c'est comme ça qu'on appelle une ligne en poésie, chaque strophe, c'est comme ça qu'on appelle un paragraphe, et vous demandez à votre enfant ce qu'il en a compris. Alors vous l'aidez à préciser le sens, si besoin vous cherchez ensemble les mots compliqués dans le dictionnaire. Et c'est évident, mais en fait il est très difficile et puis très dommage d'apprendre une poésie sans la comprendre. Donc évidemment étape à ne pas négliger. Alors étape suivante, c'est là que ça devient amusant. Alors on va tout simplement dessiner chaque vers, mais attention, pas n'importe comment. Donc là je vous donne mes règles personnelles pour apprendre une poésie en dessinant. Et ensuite on va faire un petit cas pratique d'apprendre une poésie avec cette méthode. Alors règle numéro 1, on prend une feuille A4 ou A3 au format paysage. Personnellement je préfère une feuille A3 parce que ça permet d'avoir plus de place et on va tracer autant de colonnes qu'il y a de strophes. Alors règle numéro 2, chaque vers est représenté par un dessin le plus simple possible. Règle numéro 3, vos dessins utilisent des couleurs variées pour faciliter la mémorisation. Alors règle numéro 4, vos dessins font appel aux symboles et surtout à l'humour. Plus c'est drôle, plus c'est imagé et plus c'est facile à retenir. Alors étape numéro 3, découpez l'apprentissage sur plusieurs jours. Dessinez au fur et à mesure pour votre enfant qui n'a pas encore forcément les capacités de dessin. Et après, c'est lui qui prendra en charge les dessins. À chaque nouvelle journée d'apprentissage, vous reprenez la récitation de la poésie à partir du début, en s'appuyant essentiellement sur les dessins, ce qui permet de faire tout naturellement plusieurs répétitions, en s'amusant. Puis, vous continuez à faire la suite des dessins, des vers, et enfin, on arrive à la dernière étape, l'étape 4. Au bout d'un moment, votre enfant va se passer des dessins pour réciter puisqu'il les a intériorisés. Il en a en fait une image mentale. Pour résumer donc en 4 étapes ce que je viens de vous expliquer, alors on fait la lecture et on dessine, ensuite on récite avec le dessin et on récite ensuite sans le dessin. Alors on va voir maintenant ce que donne cette poésie toute simple sous la forme d'un dessin. Donc c'est une poésie de niveau CPCE1, donc voilà, je vais vous la réciter et en même temps je vous diffuse les images qui accompagnent cette poésie, les images que j'ai dessinées pour mon enfant lorsqu'il l'a apprise. C'est le printemps, les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantonnent, c'est le printemps. Le ruisseau s'écoule, les pigeons roux coulent, c'est le printemps. Les papillons volent, les chapeaux s'envolent, c'est le printemps et tout le monde est content. Donc ça c'est une poésie niveau CE1, CE2, mais elle n'est pas si évidente que ça à retenir parce que il y a des éléments qui arrivent les uns après les autres sans une réelle suite logique et une histoire en fait. Et c'est là qu'une suite de dessins, c'est bien plus facile à retenir qu'un texte. On dit d'ailleurs souvent qu'un bon schéma vaut bien mieux qu'un long discours. Donc je récapitule une dernière fois, lire et comprendre, première étape. Deuxième étape, vous dessinez et vous récitez. Troisième étape, vous récitez avec les dessins, puis sans les dessins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Puis j'aimerais d'ailleurs savoir si vous souhaitez avoir d'autres vidéos comme celle-ci qui parlent de ces sujets-là. Donc dites-le moi tout simplement en cliquant « j'aime » ou « je n'aime pas ». Et puis aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là et pensez à vous abonner en appuyant aussi sur la petite cloche pour être bien sûr de recevoir chaque vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis et je réponds à chaque fois. Vous pouvez retrouver la retranscription de cette vidéo simplifiée
en cliquant ici ou sous la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez des parents zen et heureux et je vous dis à bientôt.